Salut les filles, c'est jeudi. Bon, voilà, je prends un petit peu des nouvelles de mes loulous en fait. Là, on dirait que c'est l'heure de la sieste. Hein. Je sais pas ce qu'elles font. Ah, je sais pas, oui, non, elles ont mangé il n'y a pas longtemps, donc à mon avis, voilà, c'est l'heure de la sieste. Hein. Donc, en fait, voilà, j'ai commencé cette vidéo par d'abord féliciter les trois gagnantes du concours. Donc, la première qui est 07, je sais pas, voilà, mais 07 Choco. La deuxième qui est Love Nintendog Cats. Et la troisième qui est Carole 338. Donc vous aurez sous peu vos prix. Il faudrait que je change pour dire que j'ai votre son actif, il faudrait que je change ça. Donc en fait j'ai un petit souci donc avec les gagnants. En fait j'avais dit au départ que c'était une autre. Mais le petit souci que j'ai eu, c'est que la gagnante à la base n'avait pas mis d'accessoires à son chien alors que je l'avais demandé. Donc voilà. C'est écrit dans les règles. Donc, voilà. Il y a des gens qui ont pas eu mal, qui n'ont pas eu les sacs pour plus à cause du fait qu'ils n'avaient bêtement pas laissé l'article jusqu'à la fin du concours. Donc, voilà. Parfois, sac poids, ça peut vous sauver. Hein, donc. Mais bon, voilà. Tant pis. Le concours est passé. Il y en aura sûrement un autre vers un tour de Noël. Hein. Donc, je vais commencer. Donc, je vais continuer plutôt cette vidéo sur autre chose, en fait. J'ai eu une petite altercation avec une d'entre vous, en fait, dont je citerai pas le nom. Mais en fait, c'est que donc samedi, je revenais du travail. Et bon, oui, je travaille le samedi, je n'ai pas la chance d'avoir congé comme les lycéennes, donc voilà. Donc j'ai travaillé ce jour-là, et en fait, quand je suis rentrée, j'avais qu'une envie, c'était de tranquillité, parce que je travaille dans un magasin de vêtements. Donc être vendeuse, c'est pas bêtement faire blabla derrière un comptoir avec les collègues. Non, c'est gérer les clientes qui sont là, les aider, les conseiller. Enfin voilà quoi, c'est vraiment tout ça et supporter un peu la musique, un peu. Je peux dire qu'il y a assez chiante au magasin. Donc c'est supporter tout ça et garder tout avec le sourire. Heureusement, bon, j'aime bien mon boulot, mais bon, je suis quand même contente de rentrer le soir quand j'ai fini. Donc en fait, donc pour continuer, donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc samedi soir, quand je suis rentrée chez moi, je me suis mise devant l'ordinateur pour regarder un petit peu les blogs comme ça, tranquillou, à mon aise. Il y en a une de vous qui est venue me parler. Et le problème, c'est que j'avais pas du tout envie de parler parce que j'étais assez fatiguée. Et j'essaie de lui faire comprendre gentiment. Ça a été un peu dur de ne pas m'énerver, surtout que j'étais très fatiguée. Donc voilà. Et donc parfois, si je veux pas parler, n'insistez pas. C'est juste que je suis fatiguée. C'est pas que je vous aime pas ou parce que bon, elle m'a dit oui, si tu veux pas me parler, c'est que tu m'aimes pas. Mais bon, ce que c'est que la jeune fille, je ne les connaissais pas. Donc, comment on peut avoir un avis sur quelque chose qu'on fasse, quelqu'un plutôt qu'on ne connaît pas? Enfin, c'est logique, ça me semblait logique, ça me semblait facile à comprendre, mais mademoiselle ne comprenait pas. Donc, j'ai dû me tuer à lui dire que j'étais fatiguée, que ma journée de boulot avait été dure, enfin bon, voilà. Donc, voilà, donc. J'étais très patiente et au bout d'un moment, elle a quand même compris. Donc, heureusement. Donc, je ne citerai pas qui c'est parce que ça ne sert à rien d'avoir des disputes. De toute façon, bon, tout a été réglé. La demoiselle a compris. Par contre, il y a un truc qui m'a beaucoup déplu. Parce que chez une d'entre vous. Et elle, par contre, je vais la balancer. Je vais dire qui c'est. Donc, c'est nintendogs3d-lucie.carole.com. Donc, qui a supprimé son blog ou bien qui en a supprimé le blog. Parce qu'en fait, cette demoiselle m'a plagié, tout simplement. Elle est allée pomper le texte de mon journal. Et d'après quelqu'un, je ne vais pas balancer, enfin, je vais pas dire qui l'a dénoncé, parce que bon, voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup, enfin, que j'apprécie vraiment beaucoup. Et donc voilà, mais sachez que moi, les filles qui me plagient, je ne supporte pas ça. Et ces personnes-là se voient directement, alors maintenant. Parce que je n'ai plus envie de jouer, de chipoter ni rien. Donc, je les supprime maintenant carrément de mes amis et je les bloque parce que j'ai plus envie de passer mon temps à ça. Parce que j'estime que, bon, généralement, c'est vrai que je vois que la courbe d'âge de jeune fille qui joue Nintendo, ça commence assez jeune, jusque bah, mon âge. Je crois que je suis une des plus vieilles à faire un blog. Donc, ça commence assez jeune. Donc, je pense qu'à partir de 12 ans, vous devez quand même être capable de savoir ce qui est bien ou mal, de savoir à partir du moment où si vous cachez quelqu'un, pourquoi cette personne-là vous en veut. Donc voilà, moi, quelqu'un qui me plagie, je chipote pas, maintenant je supprime de mes amis et je bloque parce que j'ai vraiment pas envie de et je signale aussi surtout parce que bon voilà.
Donc c'est une question de respect, je pense, de respect du travail de l'autre, parce que bon, comme disait une personne que j'aimais beaucoup, bah, jouer, c'est un peu travailler, hein. Donc je fais mon blog avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour, et j'aime pas quand on me vole, tout simplement. Donc soyez créative, ayez vos idées, parce que bon, ça sert un peu à rien. Sinon, j'en ai une autre demoiselle qui avait voulu faire le même concours que moi, exactement le même. Elle voulait absolument, elle voulait plein d'amis. Voilà, elle voulait m'envoyer plein d'amis. Enfin bon, voilà quoi. Ayez vos idées, c'est ça l'important en fait, et c'est ça qui montrera un peu votre vraie valeur. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, on va partir un peu sur autre chose dans le jeu. Donc là, je vais maintenant m'adresser à celles qui n'ont pas ceci. Donc, juste que je retrouve, je dis ceci, mais il faut juste quand même que je le retrouve. Donc, voilà, ceci. Donc, en fait, c'est le synthé. Il s'obtient donc chez Monsieur Recycle. Vous dire contre quoi, je ne sais plus vous dire précisément, mais ce qui est assez drôle, c'est que les chiens, là, oh, ben voilà, ben celui-là, ils se mettent bien. Donc, s'alignent les uns aux autres, un peu comme une petite troupe. Et dès que vous faites un son, eh ben, ils réagissent. En fait, donc ici, donc je vais vous montrer un peu les sons qu'il y a. Donc ici, il y a donc tous les petits icônes, piano, tambour, violon, chien et chat. Et donc en fait, suivant sur quoi vous appuyez, le synthé fera son différent. Par exemple, je vais prendre le chien. Je vais un peu monter le son. Voilà. Ouh! Donc en fait, dès que je fais les trucs, les animaux réagissent, c'est assez drôle. On a la chorale, hein. Et alors, je vais vous faire écouter du chat, qui est un drôle de chat. Le chat, je trouve que là, il a l'air un peu malade. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Nintendo, si pour Nintendo, un chat, ça miaule comme ça, bah, il a l'air un peu malade. Heureusement que les miaulements de chat dans le jeu sont mieux faits. Donc sinon, bah, je vais pas vous faire écouter les autres. Hein. Limite juste pour le fun. Violon. Tambourin et le piano. Normal. Et en fait, donc ici, les petits gars, vous voyez au-dessus. Ouh là, comme il y a bon, les petits toutous. Donc ce sont en fait des airs de musique prédéfinis. Donc là, il y a celui de Mario. Silencieux. Enfin voilà. Il y a encore d'autres choses en fait. Là, c'est d'autres de Mario. Il y a aussi, voilà, celui-là. Ça peut être sympa pour un anniversaire d'un de vos toutous. Hein. Je sais pas si vous fêtez l'anniversaire. Oh, c'est beau. Ben voilà. Bien voilà, je vous ai un peu présenté le synthé. Je vois pas ce que vraiment je peux dire d'autre. C'est vrai que niveau mise à jour sur mon blog, parfois je sais pas trop. Enfin, je sais pas vraiment de quoi je pourrais parler. Parce que ben, c'est vrai que Nintendo, c'est pas que c'est un petit jeu. C'est juste le fait que c'est un jeu qui parfois peut être un peu répétitif. Et bon, je vais pas vous raconter tout à la même chose pour les balades, tout à la même chose pour dire ah ben il a mangé des tic et tchac, enfin, voilà quoi. Tout ce que je veux dire, c'est que je vais peut-être changer prochainement, tu as la déco de ma maison. Ah oui, je sais pas si vous avez vu. Je vais tourner la caméra. Je fais. En fait, j'ai réussi à faire. Est-ce que je vais y arriver? À choper l'écran plat, en fait. À choper l'écran plat, je le voulais. Ok, ça va, cela, ça c'est fait. Donc, l'écran plat. J'ai réussi enfin à l'avoir, donc je le voulais depuis un petit temps, et bon, bah, voilà, je suis contente, je l'ai. Eh bien, je crois que je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Hein. Je vous fais à tous plein, plein de gros bisous, et un bon début de semaine alors. Bisous!